Surprise de taille cette semaine à Fretin, paisible bourgade de l'agglomération lilloise. L'enfant du pays, Mathieu Debuchy, formé au club, était en effet de retour sur les terrains de son enfance pour participer à une séance d'entraînement avec les U13 et les U15. Bon, on est à Fretin, mon premier club où j'ai débuté, donc à l'âge de, je devais avoir 4-5 ans, j'ai commencé très jeune. Et donc voilà, on est venu passer un petit moment avec les jeunes, s'entraîner un petit peu et passer un bon moment. Bon, ça va, il y a des Lillois. Ma famille est de Fretin. Moi, j'ai grandi à Fretin, donc c'est le club de mon cœur. Bon, est-ce que je peux m'entraîner avec vous? Ouais. Ça vous fera plaisir? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on va s'entraîner. Ouais, ça y est, là, on s'entraîne pour le match du week-end. Pour tout le monde? On va préparer ça, ouais. Une fierté parce que même pour Fretin, quand il ne s'en cache pas qu'il est de Fretin, et au plan de vue national, on entend parler du village. Bon échauffement là. C'était au milieu. Ouais, j'étais au milieu, j'ai couru là. On est heureux de le voir jouer sur un terrain, il se donne dans ce qu'il fait. Et, bon ben, et pour nous, vous savez, c'est beaucoup, Mathieu, hein, c'est une sacrée reconnaissance pour le club. On va se faire du jeu à la main, d'accord? On va jouer comme on fait d'habitude, 7-7, on va faire une passe à 10. Déplacement autour du ballon, allez, rapidement. Bah, il y a Mathieu Debuchy, il est avec nous en entraînement. Bah, c'est comme deux arrêts parce que c'est bien. Attaquer son ballon et tout de suite derrière contourner la coupelle pour faire un appel de balle et on va mettre dans la course. Bah, je ressens de la joie. Ouais. Parce que c'est pas souvent qu'on voit un joueur dans ce genre venir ici. Qu'un joueur professionnel vienne jouer avec nous, ça fait bizarre. Enfin, on n'a pas l'habitude. C'est un honneur pour nous quand même. D'avoir un joueur de l'équipe de France venir ici. Bon, c'est super bien, c'est émotionnel. Un petit mot sur la nouvelle recrue? Bah, si ça se passe pas trop mal, bon, un peu indiscipliné, mais bon, ça va. Écoute, on s'accroche, hein. On s'accroche. Il joue en équipe du LOSC. Ils jouent en équipe de France, donc oui, c'était un grand moment. On peut y aller? Tout le monde est en place? C'est bien pour les gens qui jouent à Fretin, tout ça, dans les petits clubs, ça prouve que même eux, ils peuvent réussir à devenir pro. On va se faire une petite série de tirs au but. Alors, je sais pas si vous voulez que ce soit Mathieu ou Alex dans les buts. Mathieu. Simon. Allez, ah non, moi avec moi, il y a tout qui ouais, je veux bien les gants. Alors, soyez pas vache, tirez pas trop fort. Vas-y. Il est très, très humain, il est humble, il est abordable. Et je pense que, effectivement, pour les jeunes, c'est quelque chose de magnifique. C'est un exemple. Ouais. Oh, c'est chacun. Prendre du plaisir à jouer au foot, c'est le principal. S'il n'y a pas de plaisir, on peut pas bien jouer, on peut pas bien s'entraîner. Donc amusez-vous quand vous jouez, tout en étant sérieux. Et puis ça devrait le faire. Donc continuez comme ça. Bah, ça fait plaisir parce que on voit tout le chemin parcouru et voilà, d'être arrivé en équipe de France, de pouvoir venir à Fretin avec les équipements, pouvoir après donner des maillots aux jeunes, je pense que ça va leur faire plaisir. Et moi, ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager ça avec eux, quoi. Pour Fretin et Pipi! Ouais! Pipi! Ouais! Pipi! Ouais! Chica, chica, chic! Aïe, aïe, aïe! Achic! Aïe!